Tu dois revenir en arrière. Avec quelque chose de capital à comprendre, tu n'as pas fini. Tu as des choses à faire. Ton temps n'est pas venu. Et quand on entend ça, dans ces centaines de milliers de témoignages, on entend en creux quelque chose d'autre qui dit, si tu as des choses à faire, tu dois retourner. Ça suppose quoi? Qu'il y a du sens à cette vie. Qu'il y a des choses à faire, dont on n'a pas le début d'une idée, mais qu'il y a quelque chose à faire. Et d'ailleurs, certaines personnes, pendant l'expérience, ont la connaissance claire, limpide, évidente de leur vie sur Terre. Mais voilà pourquoi je vis. Comme si c'était une évidence. Et ils oublient. Ils savent qu'ils ont su pendant l'expérience, mais ils oublient. Ce qui s'est passé. Et il y a donc cette injonction, tu as des choses à faire. Et parfois, c'est la personne elle-même qui décide, non, je veux retourner en arrière parce que je dois m'occuper de mon bébé, je dois m'occuper d'un vieux parent ou j'ai un projet important. Mais toujours la motivation de retour quand les gens décident. D'ici, pardon, c'est des motivations étonnamment liées à un mouvement du cœur. C'est pour prendre soin, pour accomplir quelque chose de bénéfique. C'est pas pour gagner de l'argent et m'acheter une Porsche. C'est jamais comme ça. C'est toujours porté par une motivation qui est en phase avec le questionnement de cet être de lumière qui dit comment as-tu aimé? Et certaines personnes qui se rendent compte qu'ils n'ont pas beaucoup aimé, ils disent, faut que je retourne. Le curriculum de cette vie, c'est ça. Et je me suis complètement à côté à côté du curriculum. Donc il faut que j'y retourne. Et le retour se fait, le retour dans le corps se fait parfois très violemment parce que là, l'expérience n'est sans douleur, sans rien. Et là, et quand les gens reviennent complètement incarcérés dans la voiture avec les pompiers qui essayent de les sortir, soit en train d'être réanimés ou en train d'étouffer parce qu'ils se sont noyés, enfin, mais c'est toutes les douleurs qui reviennent, enfin, c'est le retour est assez épouvantable et les gens parfois sont très traumatisés de ce retour. Et ça durait, j'insiste, hein, parfois 5 minutes, 10 minutes, c'est une expérience courte. Et dans le continu de l'EMI, il y a également les personnes, enfin pas les personnes, mais l'intégration de l'expérience n'est pas simple. On peut penser que waouh, on a vécu un truc fantastique et c'est complètement tout est ça. Non, d'abord les gens ne deviennent pas des saints pour autant. S'ils avaient des traits de caractère pas sympas, ben, ils peuvent continuer à avoir ça. Mais y a parfois, pas beaucoup, hein, mais parfois des personnes qui en font un truc très égotique en disant ouais, moi j'ai vécu ça, moi je sais maintenant tout. Mais donc, dans l'immense majorité des cas, il y a une difficulté à en parler, une crainte à en parler. Parce que c'est parfois indicible, c'est tellement intime comme expérience que les gens ne trouvent pas les mots pour dire ça. N'ont pas envie d'abîmer l'expérience tellement elle est profonde, tellement ça va aller chercher dans l'intime de l'intime, l'essence même de leur être. Parfois des gens qui n'osent pas en parler de peur qu'on les prenne pour fous. Hein. Moi j'ai eu quelques récits de gens qui parlaient à un psychiatre quand même, qui disent oh, ils ont compris que j'étais ouvert à ça, mais des personnes qui ont peur d'en parler et qui sont trop remis en question dans leur vision du monde. Et c'est Oui, changement de chapitre ou de sujet. Et je voulais aborder cette question de la mort, de l'expérience de la vie également, puisque les deux sont conjugués. Et je voulais faire cet exercice en allant marcher comme d'habitude, mais là, je peux vous dire que on a un temps cataclysmique. Il a plu toute la journée, il fait gris, il fait nuit. Il est 6 heures, il fait déjà nuit. Enfin, c'est chez nous, c'est vraiment la fin du monde en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on voit plus le soleil. On voit plus du tout le soleil. Ouais, j'ai donc j'ai écouté ce psychiatre qui s'appelle Christophe Fauré. Alors, comme toujours, je mets le lien de l'entretien de cette chaîne qui est pas mal, hein. Elle est pas mal cette chaîne, vous la découvrirez. J'ai mis le lien en description et l'entretien est de qualité parce qu'il
Parce que déjà, c'est un psychiatre, donc c'est un médecin. Un médecin qui a un regard scientifique sur la question. Donc ça rend plus crédible, si vous voulez, son expertise sur le sujet. Le sujet, donc, de l'expérience qu'on appelle l'expérience de mort imminente, c'est le EMI. Voilà. Et ça, certains de mes auditeurs l'ont certainement vécu, puisqu'il y a une proportion de personnes qui est assez importante, qui ont vécu ces séquences curieuses où vous êtes considéré comme mort biologiquement et vous revenez ensuite à la vie. Et pendant ce laps de temps, vous êtes censé faire une expérience particulière et les expériences ont été répertoriées, ont été, comment dire, considérées comme valides auprès des scientifiques, puisqu'on a une masse de témoignages et cette masse de témoignages dit en général la même chose, ce qui donne une crédibilité à ce type d'expérience, pardon. Et donc, qui valide que quelque chose se passe effectivement quand on bascule vers la mort. Alors, moi, j'ai écouté et j'en ai, si vous voulez, déduit quelque chose. Déjà, le corps, c'est notre corps humain, c'est vraiment comme une combinaison spatiale qui nous permet d'évoluer dans une dimension donnée. La dimension dans laquelle on est, qu'on appelle réalité, c'est une dimension particulière. Et il semble quand on passe dans une autre dimension, on n'a plus besoin de ce corps, de cette enveloppe corporelle. Enveloppe corporelle qui, visiblement, est adaptée à la nature de notre âme. En quelque sorte, la nature de notre espèce. Est-ce qu'on appartient à une espèce particulière dans un autre contexte que de cette réalité-là? Sans doute. Et donc le corps est en quelque sorte une combinaison adaptée à l'âme. Et certainement que nos sens sont des antennes qui nous permettent d'évoluer pardon, dans une dimension qui est particulière et qui correspond à un aspect de l'univers, mais dont on a du mal à comprendre la signification. Qu'est-ce qu'elle signifie, ces dimensions, pour l'univers, pour les autres univers peut-être. La sortie du corps fait que, on l'a vu, et vous le verrez dans l'entretien, permet de se dire que la conscience continue à fonctionner en dehors du corps. Donc ce n'est pas le moteur qui. Le cerveau n'est pas le moteur de cette conscience. La conscience continue à vivre malgré la disparition du corps. Donc ça veut dire que quelque chose en nous est intégré dans cette combinaison spatiale, mais la combinaison spatiale n'est pas si importante que ça. Elle est juste importante pour le laps de temps dans lequel nous sommes dans cette dimension. Et je l'ai bien écouté, d'après le long entretien de ce psychiatre, les gens qui sont revenus de la mort, parfois disent qu'ils ont été interrogés comme par d'autres entités sur leur expérimentation dans cette dimension et que même ils sont considérés comme privilégiés ou comme ayant fait quelque chose de très particulier. Ils sont presque honorés.
et on leur demande presque des fruits de leurs expériences, comme si cette expérimentation dans cette matière, ce que nous appelons matière, avait son importance. J'ai trouvé ça, là, j'ai trouvé l'idée intéressante. Alors après, chacun en pense ce qu'il veut, mais j'ai trouvé que c'était intéressant d'explorer ces zones de réflexion pour se détacher de notre conception de la vie traditionnelle, quoi. Et d'imaginer qu'on est vraiment ici pour expérimenter quelque chose et que cette expérimentation a rempli peut-être un cahier des charges et que ce cahier des charges, ben, il est important de le respecter. Et peut-être que cette vie, elle est aboutie quand on a respecté ce cahier des charges. Il y a peut-être quelque chose à découvrir dans ce ou à faire dans cette dimension qu'on ne peut pas faire dans une autre dimension. C'est possible. Mais la dimension dans laquelle on est comporte des tas d'obstacles, des tas de difficultés. Parce que la combinaison dont on a hérité, elle est pas parfaite. Et elle ne nous permet pas de percevoir les choses d'un point de vue total, quoi. Il y a beaucoup de choses qui nous sont masquées, cachées. Ça conduit, si vous voulez, à considérer que notre existence matérielle, elle a été certainement contaminée par le mensonge. Et que le mensonge, nous vivons dans un mensonge et que ce mensonge est flagrant quand nous quittons ce corps. C'est-à-dire quand nous quittons l'existence terrestre, nous nous apercevons que nous vivions dans un mensonge, dans une tromperie. Ce qui parfois donne envie de revenir pour à nouveau être plus clairvoyant, plus éveillé, plus attentif à l'existence même de notre vie. En tous les cas, le passage de la vie à la mort, il s'opère de différentes manières et il nous arrive d'une manière différente. Je ne sais pas si la qualité de ce passage a son importance ou pas. Mais vous avez des gens qui meurent brutalement, l'assassinat, les guerres, les accidents, et vous avez des gens qui s'éteignent doucement, tranquillement, et qui passent de ce monde à l'autre dans une certaine paix, ou qui partent parfois avec une inquiétude concernant ceux qui restent, parce qu'ils, d'une certaine manière, ils savent que leur départ va poser des problèmes. Réussir sa mort, je ne sais pas, j'ai posé de manière un peu provocatrice, parce qu'on dit toujours réussir sa vie, donc j'ai dit réussir sa mort, qu'est-ce que c'est? Réussir sa mort, c'est certainement avoir accompli sa vie telle qu'elle doit être accomplie, c'est-à-dire remplir le cahier des charges, et ensuite faire que ce passage soit utile, productif, pour une cause qu'on ignore. Il est évident que les religions,
Les mythologies parlent de cela. Et chacun imagine le monde éternel, la vie après la mort, avec ses images propres, sa culture. Alors, est-ce que réellement la culture va être prise en compte quand on passera ailleurs, notre culture dans laquelle nous avons vécu? Je ne pense pas. Il semble pas. C'est comme si on basculait vraiment dans un monde où dans un espace où tout ça n'existe plus, les marques culturelles. C'est très compliqué d'embrasser tout cela parce que on a peu d'éléments pour tirer des conclusions et des conséquences. Il y a déjà d'une part, il y a le temps dans lequel on vit, la mentalité, et on raisonne aujourd'hui avec une mentalité qui est liée au temps, à l'espace-temps. Il y a 100 ans, on avait une autre mentalité, il y a 1000 ans, on avait une autre mentalité, dans 2000 ans, on aura aussi une autre mentalité. Donc la mentalité dans laquelle on est aujourd'hui est comme un filtre d'interprétation. Et quand on sort de ce corps, j'imagine qu'on sort aussi de cette mentalité dans laquelle nous sommes enfermés. Du coup, je ne sais pas si ceux qui ont fait cette expérience de sortie du corps ou de mort et sont revenus à la vie ont perçu cela. Oui, certains ont perçu des choses, il semble, mais sont incapables de les traduire par des mots. Donc ça reste souvent, comme le dit ce psychiatre, un grand, grand secret. Mais leur vie change. Leur vie change parce qu'ils ont vécu quelque chose de particulier. Et quand ils reviennent dans leur corps, ils sont plus vraiment les mêmes puisque leur regard sur le monde a changé. Ils ont trempé quelque part et ils reviennent à quelque chose, à la matière qui les enferme, le corps, la difficulté de retrouver son corps. Des fois, moi, j'ai cette sensation quand je rêve d'être complètement, d'avoir une conscience libérée du corps. On ne souffre plus. Puis on a l'impression le matin, quand on, c'est dur, c'est difficile de replonger dans son corps. Et d'un seul coup, le matin, on vient de le mettre en route à nouveau. Tout ça, c'est assez compliqué. Donc j'ai voulu, parce que dans cette chaîne, j'aime bien explorer différentes voies, écouter différentes interprétations de la vie et rester ouvert dans plusieurs domaines, parce qu'on est environné d'un mystère et que c'est logique de se poser des questions. Et cette faculté qu'ont certaines personnes à profiter, je dirais, d'un espace où ils ont perdu, il semblerait qu'ils aient perdu la vie, ben ils sont allés ailleurs et ils sont revenus. Et ça, c'est intéressant à prendre en compte ces expérimentations-là, puisqu'elles doivent nous, elles peuvent nous ouvrir des perspectives qui nous permettent de percevoir, en tous les cas, avec difficulté, certes, mais de percevoir la responsabilité que nous avons de vivre dans cette dimension et de ne pas prendre trop les choses à la légère non plus. Bien sûr qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux, puisque c'est comme un jeu, mais un jeu sacré. Et cette vie, elle est pour certains, elle a pour certains un rôle très important. On sait qu'on a quelque chose à faire, quelque chose à. On a une responsabilité. Ça peut être une parole, ça peut être un geste, ça peut être matériel, mais on sait qu'on a une fonction à remplir. Et qu'on n'est pas là dans un parc d'attractions pour se distraire et une fois qu'on a fait le tour du parc, repartir chez nous. C'est peut-être cela dans laquelle nous avons été endormis dans ce songe, dans ce rêve, où
on a cru que la vie c'était une partie de divertissement et qu'à part ce divertissement, ben, c'était fini, la fête était finie, on allait fermer le parc. C'est une grosse tromperie et c'est ça le grand mensonge de cette vie, de cette société dans laquelle nous sommes en tout cas. Donc peut-être que vu les événements qui se présentent, nous allons reconsidérer les choses autrement, prendre cette vie au sérieux, être moins superficiel et approfondir ces vraies questions qui devraient nous amener à comprendre un peu mieux le sens de la vie. Et ce sens de la vie est évidemment, et le sens de cette vie dans cette dimension-là, dans laquelle il y a une adversité très très forte. Il y a un combat aussi. Ce combat, il a certainement son importance. Et on a du mal à comprendre pourquoi le combat dans cette dimension-là a autant d'importance. On a du mal à le saisir et à le comprendre. En tous les cas, je vous propose d'aller, si ça vous intéresse, d'aller écouter cet entretien que j'ai trouvé sur le sujet très intéressant. Et puis on se revoit pour d'autres réflexions. Bonne soirée.